ébullition politique de notre nation. Et aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Et cette paix, ce n'est plus la stratégie, mais il faut se fier à Allah, qui lui-même s'est appelé paix. Et le Mali a besoin de paix. Nous demandons à lui pour que nous puissions avoir de paix éternellement. Quand on dit l'année électorale, c'est l'année de tous les dangers. L'équation nous montre qu'il faut précipiter en amont des bénédictions pour la paix, la stabilité, vu le comportement de tout un chacun qui sont des indices pour nous, qui nous poussent vraiment à demander à Allah le Tout-Puissant pour établir la paix et la stabilité dans notre nation. Je suis optimiste avec la bénédiction, avec la lecture des courants dont nous venons tout simplement de terminer avec. Je sais que, inshallah, nous allons faire une élection crédible, transparente, vraiment sincère. Inshallah. La paix au Mali est devenue aujourd'hui quelque chose de très précieux que nous souhaitons de tout notre cœur, que ce pays, les fils et les filles de ce pays, puissent parler le même langage, rentrer par la même porte, sortir par la même porte, comme nous l'avons connu, mais pas en dehors de notre portée. C'est un problème de comportement qui est demandé à chacun d'entre vous. Donc priez le Tout-Puissant au soir qui décline sur le vendredi pour implorer le Tout-Puissant et demander que cette paix-là redevienne une réalité dans notre pays. Donc je remercie Cheikh Soufi et l'ensemble des talibés ici présents pour cette initiative, cette volonté vraiment de prier, de demander que la paix revienne dans le pays. Allah, subhanaka anta Allah, mu'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ana gadoje.